حدود 1 ماه میشه که زنان افغان نمیتوانن نفس بکشن، در وحشت زندگی میکنن. زنان افغان تمام دیپلم های تحصیلی، تمام سرتیفیکت هایی رو که داشتن در خاک کردن، سوختاندن. تمام یونیفرم هایی که مربوط ورزش و نشانه هایی که از کار با نهادهای خارجی بود، همه آنها رو از بین بردن. و حالا سوالی که در این سکوت مرگباری که همه جهان رو فرا گرفته در مقابل زنان افغان و در رابطه با حقوق زنان افغان، سوالی که من دارم این هست که چرا و به چه جرمی همه دنیا پشت کردن به ما و چرا هیچ کسی مسئولیت کارهایی را که وعده‌هایی را که در ظرف 20 سال به زنان افغان دادند رو به عهده نمیگیرن. Un rassemblement de soutien et de solidarité aux femmes afghanes, donc ça se passe à Bordeaux, on est quelques dizaines, et donc évidemment c'était pour nous primordial d'exprimer cette totale solidarité au drame qui est en train d'être vécu par des femmes, mais pas que des femmes, par le peuple afghan, mais surtout par les femmes qui aujourd'hui sont en train de perdre tous leurs droits, droit à l'éducation, droit au travail, obligation de mariage avec des talibans, enfin un régime avec des lois qui se mettent en place dégueulasses, un régime taliban, donc un régime fasciste, un régime de terreur, et donc on dénonce évidemment ce régime-là, mais la solidarité envers les femmes afghanes, c'est pas juste dénoncer les talibans, c'est aussi dénoncer la responsabilité de l'impérialisme occidental, américain, mais aussi français, hein, qui ont fait 20 ans de guerre là-bas, et pour provoquer une situation encore pire, et même laisser finalement les talibans reprendre le pouvoir. Donc en fait, la dénonciation de cette situation-là, c'est aussi la revendication d'un accueil large, sans limite, afghans et notamment des femmes afghanes, de faire en sorte qu'il y ait une liberté de circulation, une liberté d'installation, ça c'est important et ça c'est fondamental. Et donc du coup c'est tout ça qu'on a envie de dire, quoi, à la fois une colère, une révolte contre ce qui est en place, contre l'impérialisme et les talibans aussi, et puis donc du coup de cette solidarité où il faut absolument accueillir et donner les moyens à ce que les gens puissent vivre hors de ces massacres et de ces situations terribles.